Sylvie a voulu prendre un appartement parce qu'elle a souhaité, à un moment donné, avoir plus de liberté. Elle voulait être autonome, je dirais, même si elle était obligée d'être aidée, elle voulait cette autonomie de diriger, de suivre ses propres affaires. Il a fallu faire des aménagements dans l'appartement pour que Sylvie puisse se déplacer facilement. Pour la mettre dans sa baignoire ou sur son lit, j'ai installé des rails plafond qui permet donc aux auxiliaires de vie quand même de faire un travail moins pénible. On a tout fait nous-mêmes et puis c'était pour Sylvie, donc c'était normal qu'on fasse l'effort. Sylvie doit avoir 12 ou 15 personnes par mois et les gens viennent par tranche de 8 heures. Elle a quand même le kiné qui est sur le palier. Et s'il y a un petit problème, il vient facilement, donc ça c'est un gros atout.